Bonsoir, bonsoir les amis. 23e journée qui se termine. Elle se termine et je vous fais le petit live pendant le transfert. On a un long transfert aujourd'hui de quasiment 30 km pour aller dans un roadhouse parce que on a traversé aujourd'hui un espace réservé aux aborigènes. Et a priori, pour bivouaquer dans ces espaces, il faut des autorisations, il faut payer, enfin, un truc un peu compliqué, on n'a pas tout compris. Donc plutôt que de perdre du temps à comprendre et pour dormir tout compte fait dans le camping-car, on va prendre du temps pour aller sur la route et aller dormir dans un lit et prendre une bonne douche. Donc là, il y en a pour 20 bonnes minutes, je pense. Donc je suis avec mon ami Jean-Mi, voilà, le Corsair, Sergio derrière. Et les deux autres sont en train de faire le check au roadhouse. Alors la journée, elle a plutôt bien commencé la journée, cette 23e journée. Elle a bien commencé parce que j'avais un très bon ressenti ce matin en partant. Je trouvais que le corps commençait à prendre ses marques. Bon, il est temps, hein, une troisième journée, mais voilà, ça marchait plutôt pas mal. Le séquençage avec les micro-siestes, là, on avait encore un peu modifié, puis on était en train de le faire et ça se passait plutôt bien. Tout ça jusqu'au 62e kilomètre. Ça se passait bien jusqu'au 62e kilomètre. Parce qu'au 62e kilomètre, ben, je suis encore tombé. J'ai mon pied qui est accroché je ne sais où. Bon, j'ai pas trop de bobos, je me suis juste abîmé le genou et de nouveau un petit peu la main, mais enfin rien de méchant. Par contre, j'ai eu terriblement mal au tendon d'Achille, ça m'a tiré dessus. Ça m'a fait peur, hein. Pour être honnête. Je me suis dit, ça y est, il est déchiré, il est parti en live. Et donc j'ai rejoint le camping-car en boitant pendant 3 km. On a mis du froid, j'ai fait une petite sieste de 5 minutes, de 10 minutes même. Et puis je suis reparti et en chauffant, ben, une fois ça l'a fait. Mais la journée a été courte forcément parce que là, quasiment 16h encore, enfin 15h47 et j'ai fait que 91 km. Bon, je suis toujours pas dans les 100 km qu'il faudrait que je fasse. Ça c'est compliqué parce que ça fait plusieurs jours que ça dure. Mais bon, on cherche des solutions. On va trouver forcément à un moment donné. En tout cas, on avance et demain on attaque la 24e journée. Et ce que je vous propose, c'est que demain on fasse un petit topo. Un topo au bout de 24 jours. Voir ce que ça fait, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a ressenti. Alors je vous dis d'ici là, ben, portez-vous bien. Et puis bonne journée pour vous, et pour nous ça sera une bonne nuit. Allez, ciao, bye bye.